Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est toujours bon, Dusan Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Alors donc, je tenais juste à vous présenter la bourse Vascal. Et cette bourse-là, voilà, c'est une bourse qui est dirigée comme ça au Burkina Faso. Donc, dans une grande université du Burkina Faso. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, je vous demande juste de postuler. Voilà, donc comme on le disait, à l'université Joseph Kizerbo, donc à Ouagadougou. Mais avant de pouvoir postuler, vous devez savoir que voilà, pour cette bourse là, ça ne concerne que les étudiants du master, ceux qui veulent aller faire un master. Voilà, donc si vous êtes vraiment intéressé à faire master recherche dans un programme d'informatique de changement climatique, voilà, mais ça ne veut pas dire que forcément c'est la filière fixe que vous allez faire. Voilà, seulement vous devez être bien dans plusieurs filières, dans plusieurs facultés pour pouvoir être sélectionné. Et là, comme vous le voyez là, il y a 12 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont concernés. Et ici, vous voyez là le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Gambie et il y a aussi le Togo. Voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est assez important. Même si vous parlez l'anglais ou bien vous parlez la langue française aussi, ça sera bien pour vous. Mais seulement si vous parlez l'anglais aussi, c'est bon. C'est assez bien. Donc, dans un premier temps, ceux qui seront retenus iront. Je vais cliquer sur l'élément qui est là. Voilà. Et n'oubliez pas, la date limite, c'est le 15 juin 2024. Donc, si vous êtes lusophone, ou bien lusophone, ça veut dire ceux qui parlent portugais, ou bien si vous êtes anglophone, c'est-à-dire ceux qui parlent l'anglais, voilà, ou bien francophone, ceux qui parlent l'anglais et le français. Donc, si vous êtes lusophone ou bien anglophone, vous allez faire d'abord l'année préparatoire comme ça, soit au Ghana, voilà, et ceux qui sont francophones vont faire l'année préparatoire au Togo. Donc, je vais cliquer là et puis on va essayer d'en savoir plus pour ceux vraiment qui sont intéressés. Donc ici, donc comme vous le voyez là, vous avez vu les types de partenariats. Il y a l'élément l'université Zerbo, il y a Vascal, il y a aussi notre sponsor de quoi, de l'Allemagne. Donc ici par exemple, si vous regardez très bien, je viens de le dire, les filières, les pays concernés, les voilà ici. Ok, et ici par exemple, je vais aller là, voilà. Donc ici c'est les domaines qui sont concernés. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà lire tous les documents. Voilà, moi j'essaie de vous montrer un peu les éléments qui sont assez basiques. Et là, comme je vous l'avais dit, dans un premier temps, ceux qui sont anglophones ou bien lusophones vont étudier au Ghana. Vous voyez ici, vous allez faire 4 mois de formation, c'est-à-dire l'année préparatoire. 4 mois d'année préparatoire au Ghana. Et ceux qui parlent le français vont faire les 4 mois là, où ça, au Togo. Donc, ça c'est avant de revenir à l'université. Et lorsque vous finissez de faire les 4 mois, vous allez maintenant faire 14 mois à l'université Kizerbo au Burkina Faso. Voilà, et quand vous finissez là, vous allez maintenant faire 4 mois de stage. Et quand vous finissez les 4 mois de stage, vous allez faire maintenant vos 2 ans pour préparer votre défense, c'est-à-dire votre mémoire pour soutenir le diplôme. Et une fois que vous finissez, voilà, vous obtenez votre compétence et je vous assure que vous avez 90% de chances d'être sélectionné dans ces firmes qui sont juste au-dessus ou bien des entreprises partenaires. Donc, c'est vraiment très important. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà essayer de postuler sans problème. Voilà, donc maintenant, quels sont les documents dont vous avez besoin
pour pouvoir postuler. Mais avant tout, je vais vous dire aussi les éléments pris en charge par la bourse. Donc, ici, comme vous le voyez là, chaque fin de mois, l'étudiant reçoit une allocation mensuelle et les frais de accommodation aussi sont pris en charge et les frais d'université sont pris en charge, les frais de recherche sont pris en charge et chaque étudiant reçoit un ordinateur portable pour pouvoir suivre son programme. Vous voyez? Ok. Donc, après ça, ici, donc, pour pouvoir appliquer, les étudiants doivent télécharger et remplir l'application Formo qui se trouve là. Voilà, donc vous cliquez sur le lien qui est là et vous pouvez remplir tranquillement avant d'envoyer. Maintenant, les documents qui sont nécessaires pour pouvoir suivre la candidature, c'est quoi? Voici ces documents-là. Ces documents-là, on a quoi? On a une copie du baccalauréat, bon, pas du baccalauréat, mais une copie de votre diplôme de licence. Voilà, ou équivalent. Et ici, les relevés de notes de la licence 1. Voilà, comme ils ont dit là, licence 1 jusqu'en licence 3. Voilà, si vous avez aussi un master, il rappelle que si vous avez aussi un master, vous pouvez postuler aussi pour ce master-là, c'est pas un problème. Et après ça, il y a un CV. Voilà. Et comme je le disais, si vous avez un certificat en anglais, ça va vraiment vous aider dans la sélection des candidats. Donc, si vous avez un diplôme de master, si vous avez comme ça un certificat en anglais, ça va vraiment vous aider. Ok, donc le diplôme de baccalauréat, voilà, ça c'est pour les pays francophones. Le diplôme de baccalauréat, c'est-à-dire le bac. Voilà, vous pouvez ajouter sur le bac pour ceux qui font, pour ceux par exemple qui ont étudié en Côte d'Ivoire et tout ça, vous devez ajouter aussi le bac à votre diplôme de licence. Voilà. Après ça, il y a la lettre de motivation. Voilà. Et ici, ils ont signifié que vous devez avoir. Ici, ils ont mis support letter from employer if employed. Granting study level for 2 years during the master's program. Donc, ici, si vous êtes. Si, ils ont bien dit si vous êtes employé dans un endroit. C'est-à-dire, vous travaillez déjà, vous devez avoir la confirmation de votre patron ou bien de votre boss, voilà. Vous devez avoir la confirmation pour pouvoir aller postuler à cette bourse-là et aller étudier de nouveau. Donc, c'est-à-dire, vous devez avoir une lettre de recommandation auprès de ce dernier-là. Voilà. Après ça, on a quoi? On a une copie du certificat de naissance. Voilà, donc l'extrait de naissance, comme nous on le dit chez nous. Et ici, une copie, voilà, donc c'est ici, une copie de quoi? De si vous avez, si je le répète encore, si vous avez un certificat d'anglais, alors vous l'utilisez pour les éléments qui sont là. Et ici, voilà, ça c'est le bac anglophone. Et ça, c'est le bac francophone. Donc, ça veut dire que même si vous ajoutez votre licence, vous devez ajouter le bac, soit si vous êtes francophone, ou bien si vous êtes anglophone, vous devez ajouter le SSCE. Voilà, donc, c'est un peu ça. Et là, c'est le certificat en anglais. Ok. Ici, dixièmement, c'est quoi? C'est la lettre de recommandation. Ok. La lettre de recommandation ici. Ils ont dit recommendation letter from one referee. The letter must contain detailed functional contact address, email, WhatsApp and telephone numbers of the referee. Donc ici, on vous dit comme ça que la lettre de recommandation, vous devez avoir une seule lettre de recommandation et la lettre de recommandation doit forcément abriter, doit contenir l'adresse et tous les éléments de votre recommandeur, c'est-à-dire la personne qui va vous donner la lettre de recommandation doit avoir tous ces éléments, c'est-à-dire l'email et puis aussi son numéro WhatsApp. N'oubliez pas, c'est très important parce qu'ils peuvent contacter ce dernier-là à tout moment. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est assez important. Ok, donc ici, par exemple, vous devez vous rappeler que dans la partie C, que les documents que vous allez mettre en ligne ou bien vous allez envoyer au mail ne doivent pas vraiment être sur la même page. Les documents doivent être séparés.
Voilà, donc le document doit être séparé et vous devez vous rappeler que vous ne devez pas envoyer plus de 2 à 3 mails en même temps. Sinon, ils vont supprimer votre application. Ok, et en plus de cela, vous devez aussi essayer de remplir ce formulaire en ligne qui se trouve sur le lien ici. Voilà, donc tout à l'heure, moi aussi je vais postuler et je vais vous montrer comment ça se passe. Comme ça, voilà, donc c'est le lien qui est là. Vous voyez, vous devez remplir tout ça. Donc, moi je vais d'abord finir de vous expliquer. Après, je vais venir remplir cela sans problème. Ok, donc ici on était là. On était ici. Donc, c'est juste le petit résumé qui est là. Voilà, tout ce qu'on vient de dire, c'est le petit résumé qui est là. C'est-à-dire, tous les applicants, c'est-à-dire tous les candidats, doivent vraiment envoyer les documents remplis à l'adresse qui est là. Vous voyez, à l'adresse qui est là. Voilà, et il est signalé que si vous remplissez à moitié, ça sera annulé. Voilà, et vous devez aussi remplir le fichier qui est là. Et quand vous finissez aussi, vous devez envoyer les documents sur l'application Form aussi qui se trouve ici. Voilà, donc essayez de respecter les éléments. Vous voyez que ici, ils ont bien détaillé là. Voilà, ils ont fait un petit résumé. Donc, n'oubliez pas, la date limite, c'est le 15 juin 2024. Ok, donc moi je vais essayer aussi de postuler, mais pour l'instant on va d'abord s'arrêter là et faire une nouvelle vidéo pour montrer comment est-ce qu'on doit postuler jusqu'à la fin. Donc si vous êtes parmi les pays qui sont concernés, je vous conseille vraiment et vivement de pouvoir postuler à cette offre-là. Donc les gars, c'était moi de Samospita et puis on se retient à tout à l'heure.